Bonsoir tout le monde, bonsoir Émilie, bonsoir Christelle, Isabelle, Ariel, Sandra, Suzanne, Stéphanie, Odile, Zelka, Christine, Pascal, Chantal, Muriel, Anna, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour celles qui étaient malades la semaine dernière, j'espère que vous allez mieux, que les petits microbes sont partis, les microbes de l'hiver qui nous gâchent la vie clairement, et puis que vous êtes prêtes et en forme pour passer un bon moment ensemble, un bon lundi soir, c'est notre petit rituel. Bonsoir également Christine, Jess, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, je vous avais promis du « tu l'aimes, tu le coupes », évidemment. Et évidemment, aussi avec des nouveautés, parce que, on aime bien les nouveautés. Et puis, on aime bien surtout les utiliser et les voir en action. Je pense que vous serez d'accord. Alors, si vous voulez le faire en même temps que moi, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire, de quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin, tout simplement, de papier. Et puis, c'est à peu près tout. Non, peut-être pas non plus. Il nous faut aussi des bases de cartes. Alors, j'avais mis dans le... la description de la préparation live, je sais même pas comment ça s'appelle, voilà. Vous avez mis que vous pouviez préparer des bases de cartes. Alors des bases de cartes, j'en ai fait plusieurs. C'est quoi une base de cartes? C'est un papier A4, on voit rien. Voilà, comme ça peut-être. C'est donc un papier A4, comme ceci, qui est coupé en deux, donc à 14,8, parce que la largeur 29,7 divisé par 2, 14,8. Et on plie à 10,5 toutes nos bases de cartes. Voilà. Donc j'en ai préparé plusieurs, mais c'est pas. Voilà, il n'y a pas un nombre précis. On va voir ce qu'on arrive à faire aujourd'hui ensemble. Donc pour info, je n'ai pas. J'essaie de réfléchir au design, mais je n'ai pas fait de brouillon ou de quoi que ce soit. Donc on va faire ensemble. On va voir si tout fonctionne bien. Alors, bonsoir Carmen également, bonsoir Lucie, j'espère que ça va mieux Lucie, bonsoir Véronique, Sophie, Jess j'ai vu, Zelka mieux, mais pas encore ça, ah zut alors, mais tu es là quand même effectivement, c'est génial, Ariel, tes pétons ne fonctionnent pas toujours, non, ne fonctionnent toujours pas, et oui, ah oui, mais toi je pense que tu avais une intervention un peu plus lourde, du coup je pense qu'effectivement ça ne... Ça va être compliqué. Bonsoir Maya des Pays-Bas. Mais alors c'est magnifique ça Maya. Donc j'espère que tu parles français. Sinon il y a les sous-titres qui vont pouvoir t'aider. Jess, elle dit bonjour à tout le monde, c'est très bien. Nathalie, bonsoir également. Suzanne, ta dent n'a pas repoussé. Bon, on te l'avait arrachée donc à la base. À moins que tu aies 6 ans. Mais je doute parce que tu as dit que tu es une jeune retraitée. Alors du coup ça veut dire que c'est un 6 mais avec quelque chose derrière. Logiquement. Sabine, bonsoir. Claudia, bonsoir. En forme, j'ai vu que tu es aussi guérie, donc ça, c'est super. Alors, on va donc utiliser ce papier de la Celebration qui s'appelle Fleurs délicates. Donc, c'est un papier que l'on peut gagner pendant la Celebration, c'est-à-dire à partir du 5 janvier pour 60 euros de commande. Donc, c'est un papier magnifique. On avait déjà fait un peu le tour la dernière fois, enfin, pendant mon unboxing. Et aujourd'hui, on va le voir un peu plus en détail parce que, on va en faire du tu l'aimes, tu le coupes. Voilà, donc comme ça, vous pouvez voir un peu... les motifs rapidement, et puis donc de l'autre côté, on a tout ça, voilà. Alors, on commence ou on commence pas? Donc, on va prendre une des feuilles, et les autres, je les mets de côté. Donc, j'espère qu'il y en a qui vont faire avec moi, parce que c'est toujours très intéressant, je trouve, le tu l'aimes, tu le coupes, parce qu'on ne sait jamais quel résultat va sortir, ça va dépendre un peu des papiers qu'on utilise, et c'est toujours différent. C'est la même chose, parce que c'est la même mesure, mais le résultat est toujours différent. Donc, voilà, on va voir, quoi. Bonsoir également, Françoise. Alors, le tu l'aimes, tu le coupes. Que je mette ma machine comme il faut, pardon. Ça commence, en fait. Alors, attendez. Peut-être décaler un tout petit peu. Voilà, ce sera mieux, je pense. Par des découpages. Parce que nos papiers, on les aime, donc on les coupe. Alors, ça veut dire... On va le mettre en hauteur. Hein, donc, la hauteur, ici, fera 14,4. Parce que nos bases de cartes... On se rappelle, elles sont ici. En hauteur, elles font 14,8. Donc, on veut juste garder quelques millimètres de blanc autour. Donc, 14,4 sera la mesure de coupe ici. La première, 14,4. Et puis, alors je pense que vous connaissez par cœur, mais au cas où quand même, la largeur, donc comme ceci. Notre largeur sur une base de carte, hein, là où on plie, c'est 10,5. Donc, on va faire tout simplement notre largeur ici à 10 cm. Autrement dit, un format tu l'aimes, tu le coupes, pour celles qui ne connaîtraient pas. Un format tu l'aimes, tu le coupes, c'est tout simplement 10 sur 14,4. Voilà. Et ça nous donne du coup
une base que l'on peut utiliser sur n'importe quelle carte standard. C'est très très intéressant parce que quand on est à court d'idées pour utiliser son papier, parce qu'il est magnifique mais on n'ose pas l'utiliser, eh ben le tu l'aimes, tu le coupes, c'est juste génial. Alors Virginie, bonsoir. Replay pour toi car tu n'as pas encore dîné. Eh bien bon appétit! Parce que tu vas pas dîner avec nous, du coup, je suppose. Amusez-vous bien et pas trop de blagues quand même. Oui, effectivement. Soyons sérieuses, s'il vous plaît, sinon on n'arrive pas à suivre après. Hein. Donc, pas trop de blagues. Voilà, donc là, j'ai coupé à 10 et il nous reste un tout petit bout de papier. Personnellement, je le jette. Si vous souhaitez l'utiliser, parce que bah, c'est quand même du joli papier, bah, vous pouvez aussi l'utiliser. Mais du coup, ça nous fait une petite chute, la toute petite chute qui est ici. Donc, nous avons déjà dans notre largeur, ça fait donc 30,5. 3 fois 10, 30, et le virgule 5, il est ici. Donc la largeur, c'est donc tout bon. Bonsoir Isabelle également, t'as loupé le début, pas de problème. Et il y a des chutes de papier quand tu coupes ainsi. Eh bien, on va voir ça tout de suite, Isabelle. Alors donc, pour la largeur, c'est comme ceci. Et là, maintenant, il nous reste un autre morceau. Et quand on regarde bien, eh bien, il nous reste plus de 15 cm. Donc là, on va recouper à 14,4. Voilà, parce que c'est la mesure de base. Et là, il nous reste une grande chute. On va voir tout de suite ce qu'on peut en faire. Mais on va continuer à couper donc 10 cm. Hop. Encore. Et puis encore une dernière. Voilà. Voilà. Donc quand on fait du tu l'aimes, tu le coupes. Vous savez que les papiers Stampin' Up, ils ont souvent deux fois le motif principal. C'est-à-dire de cette feuille-ci, il y en avait... À un moment donné, deux feuilles. Bon, c'est la dernière qui me reste parce que bah, j'ai beaucoup utilisé ce papier, comme vous verrez dans les prochaines semaines. Et du coup, c'est la dernière qui me reste. Cependant, je vous conseille toujours d'utiliser, de faire du tu l'aimes, tu le coupes avec une seule feuille parce que comme ça, vous pourrez faire d'autres choses avec l'autre feuille. Si vous voulez faire un album, des boîtes ou quoi. Donc là, ça nous aide à l'utiliser pour de la carterie. Mais si on veut faire autre chose, c'est toujours bien d'avoir une feuille en rab, hein, on peut dire, en quelque sorte, quoi. Peu de chute, oui, c'est même pas fini, parce que là, il reste ça et on va encore l'utiliser. Sylvie, bonsoir, c'est le papier que t'as choisi en cadeau, magnifique, c'est un très très joli papier. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va utiliser. Et puis là, il nous reste une bande de papier. Donc dans ce design-ci précisément, vous constaterez que bah, le papier, enfin la couleur blanche, si on peut l'utiliser, hein, c'est beau aussi, hein, mais l'intérêt est plutôt sur ce motif-là. Et donc pour utiliser la largeur... Eh bien là, on va prendre la... Enfin, le but étant de mettre ceci à l'intérieur de la carte, on va faire la largeur de l'intérieur complet, c'est-à-dire 14,8 cm. Donc 14,8, hop, on coupe une fois, deux fois, adjugé. C'est fini. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc ça, on va l'utiliser. Vous voyez, dans l'intérieur de nos cartes, on peut toujours mettre... Donc imaginons, parce que là, c'est dans ce sens-ci. Imaginons qu'on veuille le mettre. Hop, on pourra utiliser cette petite chute-là pour décorer l'intérieur de nos cartes. On ne jette pas les chutes, là, comme ça. Ça veut dire que dans cette technique de tu l'aimes, tu le coupes, voilà tout ce qui nous reste comme chute que là, je vais mettre à la poubelle. Autrement dit, utilisons notre papier. Je ne cesse de vous le dire et de vous le répéter. C'est toujours mieux quand le papier il est utilisé, particulièrement sur les cartes. Ensuite, bah, toutes ces jolies feuilles de papier, donc on peut utiliser les deux côtés, évidemment. Donc là, on a voilà, 3 et 3. Donc on peut utiliser un côté comme ceci et l'autre côté comme cela. Voilà. Bonsoir, Amandine également. C'est lequel? Fleur délicate. Oui, Jess, c'est fleur délicate de la Celebration, ce papier-là. Et donc après, on peut le mettre dans un boîtier. Donc les boîtiers, c'est les boîtiers que l'on trouve dans le catalogue annuel. Et je vous prépare d'ordinaire, comme c'est juste à 1 mm, voilà. Comme je vous prépare d'ordinaire la jaquette. Donc la jaquette qui va avec chaque collection de papier qui est en cours. Ce qui veut dire que la jaquette pour ce papier-ci précisément, je ne l'ai pas encore préparée. Parce que j'ai besoin, pour cette image-ci, j'ai besoin de l'image qui est fournie dans la boutique en ligne. Or, comme cet article n'est pas encore disponible en boutique, alors où on fait ce live, c'est-à-dire le 19 décembre, eh bien malheureusement, la jaquette n'est pas encore prête. Cependant, elle sera prête, j'espère, dès le 5 au soir, pouvoir faire ceci afin de pouvoir vous proposer les jaquettes. Alors, donc on va continuer juste un petit peu.
Donc là, on a ce superbe, magnifique papier. On peut évidemment aussi le mettre dans l'autre sens pour faire des cartes dans l'autre sens. Donc c'est ce qu'on va faire là. C'est-à-dire, si on veut une carte en largeur, eh bien on fait le 14,4 comme ceci. On voit quand même, oui, c'est bon. Voilà, Jessica, bonsoir également. Émilie, oh, ton vernis est assorti aux fleurs. Ah ouais, presque. Attends, c'est du vernis un peu marron parce que vous avez vu, ma robe, elle est marron. C'est une robe, on ne voit pas du tout à la caméra, mais c'est une robe. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit, ah tiens, c'est, on va mettre les couleurs de l'automne. Couleur marron. Voilà. Donc, 14,4, on a dit. Et dans l'autre sens, on fait 10 cm. 10 cm, voilà. Et de une. Et de 2. Et de 3. Voilà. À nouveau, il nous reste notre 0,5 ici. C'est toujours la même. Voilà. Bonsoir Marie-Christine. Hello Corinne également. Voilà. Et donc, bah, pareil. Donc, sauf que cette fois-ci, c'est dans l'autre sens. Et on a aussi de l'autre côté, bien sûr, d'autres motifs. Voilà. Donc, juste pour dire qu'on peut utiliser cette méthode et cette technique dans deux sens. Maintenant, vous aurez remarqué que ce papier-là, il a aussi cette superbe feuille-là. Et du coup, si on fait du tu l'aimes, tu le coupes avec cette feuille, bah, ce serait dommage parce qu'on va un peu gâcher, entre guillemets, cette bande-ci. Donc, pour cette feuille-ci particulièrement, je propose, après, c'est pas une règle, vous faites ce que vous voulez, évidemment, mais je propose de couper plus petit. C'est-à-dire, on va faire en sorte que on ait la première découpe qui soit ici, et ensuite on pourra utiliser les cadres plus facilement. Alors la première découpe, elle est normalement, c'était 12 ou 13, attendez, ouais, ça doit être 12,5, voilà, j'ai regardé avant mais j'ai oublié déjà, les maths et Rachel, les chiffres, c'est pas un bon truc. Voilà, donc on fait 12,5, voilà, 12,5, pour pouvoir garder uniquement les cadres tout seul. Et vous voyez que c'est vraiment fait pour, hein, parce que de chaque côté, on a la bonne mesure, tout ce qu'il faut. Isabelle, c'est toi qui fais la jaquette. Mais oui, bien sûr, je fais ça juste pour vous, la jaquette en plus. Hein. Et ici, ben, on peut garder 10 parce que vous remarquez qu'il y a 3 motifs sur la largeur de 30,5. Donc, on va garder 10 cm de large. Voilà. Marie-Vonne, bonsoir. Tu adores déjà le papier magnifique. Ouais, j'espère que ça va être joli parce que comme je disais, donc j'ai pas fait de brouillon. Donc, j'espère que ça va être effectivement joli. Et puis, le dernier, il est un petit peu plus large, donc on va choisir, je sais pas, ce côté-là, pour couper le 0,5 qui manque. Et voilà, donc ça nous fait donc de superbes cartes, là, déjà, des devants de cartes qui seront vraiment faciles à utiliser, je pense, que ce soit donc dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez, ça peut faire très très joli, je pense, dans tous les sens en fait. Non, pas comme ça, je pense. Parce que les fleurs, là, elles vont quand même vers le bas, ça ne va pas. Voilà, donc ça, c'est très joli. Et la frise... Bon, on va faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire 12,5, on a dit. 12,5. Voilà, donc celui-là, vous aurez compris, hein, ce sont les mêmes. Je vais les mettre de côté, mais c'est la même chose. Et ici, on va couper en largeur à 14,4, normalement. C'est un petit peu trop, voilà. Donc, on va faire 14,7. Voilà, j'ai pas envie de couper la tête de la fleur, en fait. Je préfère couper, je préférerais couper les tiges, je pense. Hein. Je pense que c'est mieux, quoi. Isabelle, c'est super gentil, mais oui, parce que bon, je le fais pour moi, et donc je me dis pourquoi pas le partager. Je pense que le tu l'aimes, tu le coupes, c'est une méthode formidable que chacune devrait essayer, au moins. Et donc après, bah, pour le rangement, c'est quand même chouette, quoi. Donc évidemment, je me fais aider, c'est pas ça vraiment, mais je me suis inspirée et j'ai demandé son autorisation à une démonstratrice qui est de Londres, je crois, enfin en tout cas de l'Angleterre, et j'ai demandé son autorisation pour traduire la jaquette. Enfin, le modèle qu'elle utilise, elle, et puis elle m'a donné, évidemment, son autorisation. Et son nom est mentionné sur chaque jaquette, quand vous l'imprimez, en fait, sur le bas. Donc, j'ai déjà oublié son nom, évidemment, mais son nom est bien mentionné. Voilà. Donc là, on a fait ensemble juste 3 feuilles. Et les autres feuilles, j'avais déjà fait une partie. Donc, on a ici celle-ci qui est en fraisier en fleurs. De l'autre côté, c'est du vert. Nous avons... les petites bandes à chaque fois, donc je les laisse dans la boîte. Nous avons celle-ci, avec l'autre côté qui est en fleur de cerisier, qui est quand même magnifique. Magnifique, je pense que vous serez d'accord. Ça, c'est la même, ça aussi. Coucou Christelle. Celle-ci en scène stellaire, avec l'autre côté qui est aussi très très joli. Après, ça c'est la même, voilà. Ici, ah ben c'est notre fameux beau papier, donc attendez, je prends la première qui est là. Comme ça, c'est bon.
Voilà, l'autre côté, c'est donc ça. C'est ce qu'on vient de couper ensemble, ça aussi. Et puis là, de ce sens-là, avec ce côté-ci qui est aussi très, très joli. Prendre celui-là qui a du jaune derrière. Voilà. Donc ça, c'est un peu notre base pour ce soir. Et évidemment, bah, nos jolis, ici, la frise et puis cela. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je propose déjà de commencer par le plus simple. Coucou Sabine également. Alors, si quelqu'un fait en même temps que moi, c'est tout à fait possible de le faire avec d'autres papiers. Il faut juste que les couleurs soient assorties, mais sinon, c'est voilà. On peut vraiment faire avec n'importe quel papier. Vous le savez, puisque c'est ma façon de ranger mes papiers, hein, faire du tu l'aimes, tu le coupes avec absolument tous les papiers. Comme ça, je suis sûre de les utiliser. Alors, bah, le premier, je pense que c'est le plus facile, c'est-à-dire on prend cette jolie feuille-là de papier. Je pense que ça pollue un petit peu, attendez, le regard. Voilà, c'était mieux comme ça. Et puis, on peut le mettre, je pense, sur un papier coloré. Donc, quand on a un motif comme ça qui est presque fait pour, bah, je pense que c'est juste idéal. On n'a pas grand-chose à faire, la déco, elle est déjà toute faite. Donc là, ça va être très, très rapide. On met juste sur le papier. Évidemment, il faut un petit ruban chez Rachel. Donc, le ruban, bah, on peut mettre... je pense celui-là, il sera très bien. Donc c'est à nouveau mon super ruban préféré, là, ruban d'organza pailleté. Forcément préféré parce qu'il y a du bling bling qui est intégré. Et on va le mettre juste là, juste pour dire. À moins que, attendez, je réfléchis. Non, on va le mettre là, c'est pas mal, là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, hein? Ouais, c'est bien. Et on va le coller juste avec du sans-pincil. Parce que, ben voilà, c'est mon ami, le sans-pincil, s'il est d'accord aujourd'hui. Il a l'air tout à fait d'accord. Coopère, c'est bien. Et on met notre petit ruban. On fait juste le tour. Voilà. Et voilà. Très, très beau, Isabelle. Merci. Alors, tu vois, c'est un effet waouh, très sympa, sans faire beaucoup de travail, finalement. Je trouve aussi que c'est vraiment idéal. On peut gagner beaucoup de temps pour faire une carte qui est, malgré tout, vraiment très, très jolie. Voilà. Hop, et voilà. Ah, il a déchiré là sur le bout. Bon, je sais pas, j'ai dû appuyer trop fort en fermant, en le relevant. Ruban, oui, mais les bling bling quand même. Ah oui, oui, Ariel, on en met quand même, hein, des bling bling. Hein. Ça, on est bien d'accord. Hop, et là, on centre le mieux possible. Ça doit être bon. Et voilà, ma carte est finie. Non, c'est pas vrai. Elle est pas du tout finie. Hop. On met pour faire un joli nœud, comme ceci. Évidemment, on peut faire un nœud normal avec une boucle et tout ça, mais là, on va faire du le plus simple possible. Et voilà, c'est très bien. Alors, est-ce que quelqu'un fait en même temps que moi? Après, je pense que c'est toujours frustrant quand on voit quelqu'un qui utilise les nouveautés et puis soi-même, on n'a pas encore de nouveautés. Voilà, donc notre carte, la base de carte du mois est prête. Maintenant, bah, évidemment, on va mettre un petit mot. On pourrait mettre que votre amour fleurisse toujours parce qu'il y a plein de fleurs. C'est pas mal, ça. Jamais fini sans bling bling de toute façon. Exactement, Jess. où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Que votre amour, ça doit être celui-là, fleurisse toujours. Voilà, c'est celui-là. On prend la couleur coordonnée. Donc, pour me faciliter la vie, j'ai sorti toutes les couleurs qui sont dans la collection du papier. Les couleurs pour chez Stampin' Up, du moins, on les trouve toujours, toujours au dos du papier. Vous voyez, elles sont listées juste là, en français. Et donc, c'est très facile après de choisir, enfin d'avoir les couleurs coordonnées, puisqu'il suffit de les sortir et de les utiliser. Si on a envie d'utiliser une couleur qui n'est pas là-dedans, on peut, mais il y a un petit risque hein, que ça n'aille pas ensemble, voilà. Donc si le travail était fait pour nous, c'est pré-mâché, alors pourquoi s'en priver, n'est-ce pas? Voilà, et là, on va mettre juste ici, c'est droit, comme par magie. Alors Cisal, bah, pour ma première fois avec toi, c'est bien simple, ouf. Oui, d'habitude c'est moins simple que ça, n'est-ce pas? Mais bon, si, voilà, il faut... Non, la semaine dernière aussi c'était quand même simple, je trouve. Hein. Je trouve que c'était bien la semaine dernière. Voilà, très bien. Après, les bling bling. Alors j'ai pensé à cela parce que bah, j'ai encore les mêmes que la semaine dernière. Vous allez dire que j'ai que cela, mais non, c'est pas vrai, j'ai pas que cela. Attendez, on va peut-être prendre d'autres alors, du coup.
Peut-être que les perles, là aussi, elles peuvent faire très, très bien. Mettre ça là-bas. Voilà. Je pense que les perles, elles seront bien. Parce qu'elles ont un tout petit reflet. Vous voyez, c'est des perles irisées. Elles sont pas nouvelles, mais elles sont très, très jolies. Elles ont un tout petit reflet qui fait un petit peu aussi dans les tons rosés. Donc, pour cette carte-là, on va utiliser cela. Christelle, le papier est très joli. Oui, je suis bien d'accord. Vraiment une merveille ce papier, je le trouve super super beau. Et Marie-Thérèse, bonsoir également. Voilà, on en met un petit peu par-ci par-là. Voilà, voilà. Et puis c'est fini la première carte, voilà. Donc la première là, vraiment très simplement réalisée. Évidemment à l'intérieur il faut mettre un papier blanc et puis on n'oublie pas où sont-elles, voilà. On peut tout à fait mettre un petit rappel, donc avec les bandes là qui nous restent, voilà, on choisit un rappel de la couleur qui nous convient, et puis ben, on met tout simplement à l'intérieur, quoi. Voilà, voilà. Ben, à vous de choisir après ce qui vous reste. Voilà, donc pour cette carte-ci, on va dire que c'est bon, c'est plié. Passons à la suite. Alors, pour la prochaine carte, on va prendre une carte, une base de cartes blanche cette fois-ci, et on va mettre un petit peu de couleur parce que donc notre papier, on a dit que on pouvait on peut aussi le couper parce qu'il est déjà pré-coupé, mais on peut aussi les assembler ensemble. Par exemple, alors par exemple si on met comme ceci, c'est pas mal aussi ça. Voilà, on va couper comme ça, c'est-à-dire on sait que la largeur du papier, c'est toujours le même parce qu'on l'a fait, on a coupé tout notre, on a coupé une feuille de chaque lot, on sait que c'est à 10 cm de large. Donc avec les 10 cm, en plus c'est une mesure qui est facile à retenir, on peut couper de sorte que ça reste, le résultat final reste 10 cm de large. Donc par exemple, là, je veux couper, je veux avoir sur la gauche une petite bande de papier de 2 cm, ou bien 2,5. Alors, on va faire 2,5, soyons fous. On va mettre un petit 1,5, histoire de. Voilà. Et puis, de l'autre côté, je veux mettre ce papier-ci. Ben, c'est facile. 10 moins 2,5, roulement de tambour, 7,5. Ouais. 7,5. Du coup, là, il me suffit de le couper à 7,5. Hop. Et en mettant les deux ensemble, eh ben, on a nos 10 cm. Qui iront donc très très bien ici. Voilà. Oui, tout à fait, c'est dans les Celebrations. Donc Marie-Thérèse, elle demandait si le papier est nouveau, c'est les Celebrations. Donc Celebrations, ça commence le 5 janvier et ça nous fait gagner des choses. Et on aime bien gagner des choses en général. Et bah, en particulier, quand c'est des choses Stampin' Up, et bah, c'est toujours trop bien. Voilà. Du coup, là, on pourrait peut-être bien mettre ceci. Donc, c'est le ruban qui va avec, qui s'appelle ruban à tissage léger. Et en jonction, je pense que ce sera très, très bien. Ouais, on va faire ça. Voilà. Pour alors, ce papier fait partie de la prochaine Celebration. Mais oui, tu n'as pas vu le début. Oui, donc c'est la Celebration. Et le papier est offert, non pas pour 120, Isabelle, c'est offert pour 60. Déjà, donc c'est génialissime, moi je trouve, parce que déjà pour 60 euros, il est offert ce papier-là. Il y en a un autre qui est offert pour 120, et c'est une collection qui a 48 feuilles, qui est légèrement plus fournie. Hop. Donc là, grâce au Stampin' Seal, en fait, on n'a même pas besoin de mettre de scotch, vous voyez. Les deux tiennent ensemble parce que le Stampin' Seal, ça consiste en des bandes d'adhésif qui sont collées, vous voyez, qui font des tout petits... toute petite bande comme ceci, et du coup, bah, ça colle mes deux ensemble. Donc c'est tout ce que je veux, c'est très bien. Et là, je peux mettre mon ruban, du coup. Voilà, donc celui-ci, c'est cadeau pour 60 euros. Christine, j'ai également de jolis papiers chez moi, mais certains, je n'ose pas les utiliser parce qu'ils sont trop beaux. Mais voilà, et bah, c'est tout le but, Christine, de cette méthode, figure-toi. Parce que quand on aime nos papiers parce qu'ils sont trop beaux, et bah, il faut les couper. Et ouais, parce que si tu les aimes, tu les coupes. Mais oui, en plus, c'est vrai, hein, parce que quand on les coupe pas, eh ben, vous remarquerez qu'on les utilise pas. Donc, ils sont beaux, mais ils sont à l'intérieur de notre tiroir et ben, ils voyagent pas beaucoup. Tandis que si on les coupe et on les utilise, donc non seulement on est hyper content parce qu'on utilise nos super beaux papiers,
Et en plus de ça, bah, eux aussi sont contents, ils voient un petit peu le monde. Parce qu'après, nos cartes, il faut les envoyer aussi. Hein. C'est l'autre prérogative hein, quand on utilise. Voilà, donc là, j'ai mis mon ruban ici. Je vais après faire un nœud. Et donc, je peux déjà coller sur la base. On est tout bon à ce niveau-là. Voilà. Donc voilà, Christine, je te mets au défi. Utilise tes plus beaux papiers. Exactement, Jessica. Quand tu l'aimes, tu le coupes. Oui, c'est bien les celebrations, ça je suis bien d'accord. Coucou Sophie. Ah cool, donc ça je pense que c'est pour le cadeau celebration. Sylvie, tu as choisi le papier et le tampon in the country. Alors ça c'est un qui montre, je crois, des paysages. Je sais plus, en tout cas je ne l'ai pas pris. Mais c'est bien, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y en a pour tout le monde. Oui c'est ça Jessica, quand on l'aime, on le coupe. C'est pour ça que j'arrête pas de dire tu l'aimes, tu le coupes. C'est un petit peu mon leitmotiv là. Voilà. Et donc là, j'ai collé mon papier. Je vais faire un nœud. Donc l'avantage de ce nœud, à nouveau magique, hein, c'est qu'on pourra le déplacer après quand on fera la déco. Parce qu'on va pas la faire tout de suite, la déco, là. Je me suis dit, on va faire un live un peu spécial. C'est-à-dire, on va faire toutes les bases de cartes et après seulement, on va faire la déco. C'est un petit peu risqué parce que j'ai pas fait de brouillon, encore une fois. Mais bon, on espère que ça va être beau. Et puis si c'est pas beau, le live durera encore plus longtemps parce qu'il faudra tout recommencer. Voilà. Et donc mon nœud là, si je veux après plus tard le mettre vers le haut, ben je pourrais. Si je veux le mettre vers le bas, je pourrais aussi. Voilà, c'est un nœud qui peut bouger. Véronique, moi aussi j'ai du mal à couper quand j'aime. Mais oui, c'est un petit peu difficile. Mais après, ça, voilà, ça vient quand même. Donc quand tu... Voilà, c'est ça, Véronique. Je pense que je vais suivre ton conseil, je vais couper. Voilà, quand tu le fais, quand tu coupes, et ben après t'es contente, je t'assure. Donc voilà, ça ce sera notre premier modèle de carte qui sera donc dans les tons un peu lilas. Ensuite, je vais le mettre... Notre deuxième modèle de carte, on va prendre une autre base. Troisième modèle, décidément, je ne sais pas compter aujourd'hui, là. Troisième modèle de carte. Et une autre base. Et cette fois-ci, parce que bon, on a dit qu'on peut utiliser notre papier. Donc, vous aurez compris hein, que celui-là, on peut utiliser, du coup, dans l'autre sens. Ça nous fait encore un autre modèle de carte. Ce n'est pas ce qu'on va faire. Hein, parce que là, on a déjà celle-ci, on a compris le principe. Donc là, on va juste passer à un autre modèle pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est qu'on peut faire. Et on va prendre... alors, je voulais prendre... Où est-ce qu'il est? Ah, bah, ça doit être un de ceux-là. Ah, bah oui, voilà. Je voulais prendre ce côté-ci avec celui-là. Parce qu'il a aussi un petit peu de cette couleur-là. Donc, un instant. Est-ce qu'il m'en reste quand même? Parce que Rachel, elle a coupé, mais elle a coupé... à sa façon, hein, parce qu'elle a utilisé beaucoup déjà, Rachel. Alors, balure. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Bon, c'est pas celui-ci non plus. Non, c'est pas celui-là. Eh bien, on va couper l'autre feuille. Donc, je pensais que ça allait être suffisant, mais non. Donc, je vais couper juste encore 14,4, on a dit. Hop. Et puis, donc, 10 cm de large pour reprendre notre format. Tu l'aimes, tu le coupes. Donc, reprenons. Bonsoir Céline, tu vas adopter cette méthode Odile. Mais oui, il le faut absolument. Cette méthode, elle est trop trop bien. Donc, à nouveau, hein, je répète, si vous voulez, vous pouvez ne couper qu'une seule feuille de papier parce que bah, c'est tout à fait possible après d'utiliser l'autre pour autre chose. Voilà, et donc là, je voulais faire un petit mix comme ça, comme ceci. Donc, on sait que notre largeur, cette fois-ci, notre hauteur, pardon, celle-ci, là, elle fait 14,4. C'est bien ça. Donc, on va couper juste un petit bout et le but, c'est que... Donc, mon but, en tout cas, c'est de faire un modèle comme ceci pour pouvoir mettre le mot ici, en fait. Donc, du coup, voyons voir. Je pense que ceci, ça pourrait bien faire... Pour une fois, j'ai mis ma règle à portée de main. On pourrait bien faire du 6, parce que du coup, 6 et 6, 12, et il nous restera donc 2 cm entre les deux. C'est parfait, d'après moi. Alors, Laurence, page 12, voilà. Laurence, ah, j'ai pas encore le catalogue Celebration. Encore, c'est des paysages, rien sur la country. Ah, pardon. Effectivement, c'est un set que je n'ai pas, et c'est un... Je peux pas montrer l'intérieur du catalogue, c'est dommage. C'est un set qui montre des paysages... comment dire, des paysages. Après, tu peux faire de l'aquarelle avec. Voilà. Le jour où je l'aurai, je vais te le montrer. Il n'y a pas de problème. Et puis sinon, bah, rendez-vous le 5. Parce que dès le 5 janvier, eh ben, on peut tout voir
ce qui est dans la Celebration. Évidemment, je vous ferai une vidéo aussi explicative sur ce qu'est la Celebration, comment ça fonctionne, quel est l'intérêt déjà, et tout quoi. Voilà, donc là, nous avons ces deux papiers-là qui vont très bien ensemble grâce aux petits bleuets ici. Donc les petits bleuets qui rappellent très bien cette couleur-ci. Voilà, donc là, quel ruban? Je vais prendre le blanc. Voilà, histoire de dire. Et pareil, même principe. Je vais juste coller le ruban en haut, en bas. Bon, il y a tellement peu de place que j'aurais pu faire le tour. Mais bon, j'aime quand même bien avoir mon nœud amovible, là, qui peut bouger. C'est quand même pratique. Ah, j'ai mon doigt qui a collé au stamp pencil. Ça colle très bien. Voilà. Ok, merci. Oui, pas de souci. Très bien. Alors, bah, pendant que je colle, et que ça fait quand même une demi-heure que je bavarde là, si vous avez envie, ben vous pouvez raconter une blague. Si vous voulez, hein, c'est pas obligatoire. Parce que là, je vais juste coller donc nos deux moitiés de papier en haut et en bas. Voilà. Alors, qui c'est qui a une blague de prête aujourd'hui? Donc, la semaine dernière, il y avait Émilie qui était fort inspirée. Donc, si vous avez encore des blagues. D'ailleurs, Émilie, tu es en vacances, me semble-t-il. Mais c'est bien ça. Donc, ça veut dire fini les bacs blancs, fini... Fini les épreuves comme ça, de ce style, qui sont un petit peu embêtantes quand même, faut bien l'avouer, me semble-t-il. Voilà, mais en tout cas c'est bien, si c'est le cas, profite bien des vacances. J'espère que c'est vraiment le cas. Je suis en train de faire n'importe quoi là. J'ai mis la colle n'importe comment. Bon, c'est pas très grave en fait. Voilà, on va faire comme ceci. Ah, Christine, monsieur et madame A ont deux filles. À bientôt. Ah, Alexia, Alexa, Alpho, mais c'est A, donc ça va pas. Je vais A, non. Ah, j'ai mis ça dans le mauvais sens. Ah, non, 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 non. Ok, c'est pas grave. Je voulais mettre le ruban quand même sur la gauche. Voilà. Hop, ça a collé sur mes mains. Voilà. Monsieur et Madame A. Oui, c'est les vacances. Ah, Émilie, elle est contente. Alors, Christine, faut pas oublier la blague de Christine. Hein. Laurence, depuis longtemps que je veux des nouveautés sur le monde Western Country. C'est pas normal qu'ils n'en font pas chez Stampin' Up, c'est américain. C'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a Western et Country? Il y a des motos. Faudrait que je regarde un peu plus attentivement. Parce qu'effectivement, c'est américain, il devrait y avoir ça. Bah, sur la moto, mais ça fait Route 66 après. Ça fait pas vraiment western. Toi, tu parles du cow-boy et tout ça, certainement. Ouais, je sais pas. Alors, Sandra, elle dit, 4 éléphants sont dans une voiture. Lequel conduit? Le moins gros. Alors, déjà, 4 éléphants dans une voiture, c'est compliqué. Hein. Dumbo. je sais pas. Déjà, monsieur et madame A. Hein. Enfin, attendez, monsieur et madame A. Qui ont deux filles. En plus, c'est deux. Alouette, gentille Alouette. Alouette et Alouette. Louette, Louette. Louette, Louette. Je sais pas. Donc voilà notre deuxième base de cartes. La grange. Ah, la grange qui pourrait faire Far West, tu veux dire, Isabelle? Je sais pas. Voilà, donc ça, je le mets de côté. On va maintenant passer au prochain modèle. Voilà, je cherchais ma base de cartes. Et cette fois-ci, on va le mettre dans l'autre sens. Parce que bon, ça fait déjà deux là qu'on fait dans le sens, si tu veux bien, si dans le sens portrait. Donc là, on va passer au paysage. Ben oui, Isabelle, on est bien d'accord. Pas de place pour 4 éléphants. Celui qui a le permis. Ah, donc il n'y a qu'un seul éléphant qui a le permis. D'accord. Alors, Christine, Emma et Karen. Car Emma et Karen A comme la chanson. Oh, attends, alors là, je ne dois pas connaître la chanson. Karen et Emma. Emma, Karen A. Je crois que je connais pas la chanson. C'est une chanson française. Je ne dois pas connaître. Oh. Ah oui, Far West pour la grange. Bah ouais, après, je ne l'ai plus en tête, Isabelle. Donc, bah, Laurence, j'espère que dans le nouveau catalogue, il y aura peut-être quelque chose pour toi, du coup. Voilà. Donc, l'autre, le prochain modèle, est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, utiliser notre petite frise? Ah, mais non, elle va plutôt dans l'autre sens. Oh. Mais elle va très bien dans l'autre sens, quand même. Hmm. Eh ben, soit on garde, parce que je voulais faire donc la bande comme ceci, et puis mettre un petit mot là. Mais à vrai dire, elle va tellement bien dans ce sens-là. Je sais pas. Bon, réfléchis quand même, parce qu'à la base, je voulais utiliser ça, moi, dans ce sens-là.
pour mettre, voilà, comme ça. Bon, vous aurez compris que cette frise-là, on peut la mettre très facilement dans ce sens-là et qu'elle fait une carte à elle-même, hein, voilà. Ça, vous l'aurez compris. Et quand même, on va garder du coup notre petite frise dans ce sens-ci. Et donc là, on va tout simplement couper à la moitié. Donc la moitié, c'est 5 cm. Parce que 10 divisé par 2, ça fait 5. Et je crois que j'ai vu, voilà, Jess qui dit une petite blague. Qu'est-ce que le livre de mathématiques dit au conseiller d'orientation? Ah, on l'avait eu celle-ci. On l'avait eu. Au conseiller d'orientation, alors je sais plus. Ah, je sais plus, attends, on l'avait pourtant eu il y a quelques semaines, je sais plus. Qu'est-ce que fait une phrase sur un cheval? C'est Tagada Tagada, c'est sûr. La Macarena. Ah, la Macarena, c'était quoi? Attendez. Ah, la Macarena! Ah oui, attendez, la chanson avec les A. Ok. Et monsieur et madame A. Donc, Emma Carena. Ah, la Macarena! Emma Carena, la Macarena. Ça doit être ça, c'est ça, hein? Je comprends bien. Macarena, ma, Emma Carena. Ok. D'accord, très bien. Super. Une autre couleur pour la base du papier. Bah, oui, justement, c'est ce que j'avais fait là, Isabelle. C'est pour ça que j'avais utilisé cette couleur-ci. Et donc, on pourra aussi utiliser là autre chose, quoi. Voilà, et donc ce petit bout de papier là, on pourrait aussi en faire, enfin si on a envie, hein, on pourrait utiliser du papier, par exemple celui-ci. Donc ça c'est du papier spécialisé métallisé or et or rose. Et donc on va utiliser la partie or rose qui est ici pour faire une petite frise. Voilà, comme ceci. Donc j'ai déjà coupé dans les deux sens, évidemment. Sinon c'est pas drôle, hein. C'est pas grave, on va faire quand même. Et on va laisser juste un tout petit peu au-dessus. Donc on a dit que ça faisait 5 cm. Et donc là, on va faire du 5,5, tout simplement, de large. Voilà. Et donc la largeur de ceci faisant 14,2. Mais ça, c'est parce que moi, j'ai coupé le papier. Hein. C'est ma dernière feuille. Donc vous pourrez vous garder le 14,4. Hein. C'est juste que je veux que mon matage soit correct. Voilà. Donc notre bande de papier, on peut la mater sur un papier soit spécialisé comme ici. Voilà. Soit un papier qui sera ben, un papier comme celui. Où est-ce qu'elle est ma carte? Là. Comme celui-ci, un papier tout à fait normal. Voilà. Faire juste un petit cadre et que l'on remet par-dessus. Alors, Ludy, coucou tout le monde, coucou Ludy. J'arrive simplement donc en replay pour moi. Oui, pas de problème, Ludy. Ben alors, bon replay. J'ai un petit peu, je t'ai salué un petit peu en retard, malgré tout. En replay, j'espère que tu auras ma salutation. Voilà, donc on va juste coller. Mince. Non, fais pas ça. Il est plus d'accord. Et boude. Donc on va juste coller, voilà, sur le papier spécialité. Sophie, mon mari me demande si vous mettez du mascara ou du masque à souris. Un petit rigolo, ton mari, Sophie, hein? J'ai l'impression. Voilà, alors on met du masque à souris parce que bah, nous on aime bien être de bonne humeur. Voilà, c'est mieux. Jessica, t'as tellement de problèmes. Alors t'as quoi comme problème, Jess? J'ai tellement de problèmes. Joli ce papier or rose. Ah d'accord, t'as des problèmes parce que tout est joli, je pense, c'est ça? Oui, en effet, il est très très joli. Voilà. Donc là, je vais le laisser comme ça. Bonsoir Brigitte également. Et Sandra et Émilie, elles sont mortes de rire. Ça va être pour le masque à souris, j'imagine. Et on va coller tout ceci là-dessus. Pourquoi tu colles et tu mets pas le ruban? Oui, parce que je veux mettre le ruban après, en fait. Pour cette carte précisément. Je vais mettre après. Voilà. Mais on peut mettre déjà maintenant. Si vous voulez, vous mettez un ruban là, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est encore une autre base de cartes que l'on peut réaliser. Voilà. Ensuite, une petite dernière. Donc ça nous en fait une, deux, trois. Elle est l'autre, quatre. Enfin, une petite dernière parce que j'ai déjà coupé la base. D'accord? Hop. Hop là. Voilà. J'ai coupé la base. Donc on va plier ça en deux. Ça nous en fera cinq. Cinq en un live. C'est quand même pas mal. Et ça, c'est grâce au tu l'aimes, tu le coupes. Et encore, elles ne sont pas finies. Il est où ton tapis silicone? Il est en grève? Non, il est là en dessous. Alors, je voudrais bien vous montrer la caméra, mais alors il est en dessous de la coupe, du coupe-papier, du tas de papier que j'ai à moitié coupé, que j'ai mis là, et du nettoyeur. Enfin, du chamois là, vous voyez? Donc, du coup, il est pas en grève, mais presque. Ah,
Ah, c'est la réponse à la petite blague, mais il y a tellement de choses que c'est aussi des problèmes. Ah, attends, mais j'ai pas vu la blague alors. Quelqu'un peut répéter la blague de Jess? Ah là là. Alors, attends. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Laurence, oui, d'accord, pour faire remonter l'info sur le Far West. Bon, bah, j'ai pas vu la blague. T'as trop de problèmes. Bon, je sais pas. Si tu veux bien répéter la blague, Jess, parce que je l'ai pas vue. Ah, puis il y avait une autre. Alors, qu'est-ce qui a 118 yeux et 7 dents? 118 yeux et 7 dents. Ça fait beaucoup, ça, on est d'accord, voilà. Un quart de personnes âgées. C'est pas vrai, quand même. En plus, c'est vrai. Oh, quand même, vous êtes vache, hein? Un autobus rempli de personnes âgées. Mais si je l'ai lu. Alors, attends, j'ai lu la blague de Jess. Oh là, elle est loin. Oh là là, elle est loin, 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 là. Jess, là, Sabé. Mais attends, je l'ai lu il y a trop longtemps. Je l'ai lu il y a trop longtemps, je suis désolée, j'ai déjà oublié. Si tu veux bien copier-coller, ça m'arrangerait. Jess, je suis désolée. Que t'as trop de problèmes, c'est la réponse. Alors là, je sais plus. Bon, bref, revenons à nos moutons, s'il vous plaît, hein, mesdames et mesdames. On va faire quelque chose quand même un petit peu sérieux. Donc là, on pourrait faire, par exemple, hein, et au hasard, on pourrait prendre un papier. Voilà, ça devrait aller. Voilà, un papier qui est assorti au reste des couleurs. Donc, on a beaucoup de couleurs dans ce papier. On choisit ce qu'on veut. Mais puisque j'avais sorti le fruit des bois, eh ben, on va sortir le fruit des bois. Et donc, celui-ci, on va le faire au format un petit peu plus grand que tu l'aimes, tu le coupes, mais un petit peu plus petit que la base de carte. On se rappelle, format tu l'aimes, tu le coupes, ça fait 14,4. Et la carte, elle est à 14,8. Donc un tout petit peu, ça veut dire qu'on va faire 14,6. C'est beaucoup de millimétrage, ça. Comment appelle-t-on un chat qui est tombé dans un pot de peinture de Noël? Alors ça aussi, on l'avait eu. Ah, le papier, ok. Donc j'ai beaucoup de problèmes, c'est le livre de mathématiques avec le livre l'orientation. D'accord, ça c'est bon, ok, j'ai beaucoup de problèmes, oui, le pauvre. Ouais, je pense bien qu'il a beaucoup de problèmes. Un chapin de Noël, voilà, ça on l'a. Merci beaucoup Sandra, du coup, c'est bon, maintenant j'ai compris, c'est voilà, c'est que ça faisait beaucoup, quoi. Delphine, voilà, c'est ça, merci pour le copier-coller, un chapin, sapin, super. Donc ça, c'était qui avait dit? C'était Christine, je pense. Voilà, merci, merci Jess aussi. Bon, voilà, oh, c'est bon, Rachel a remis les pendules à l'heure et désolée à nouveau pour ce petit oubli. Pareil, donc, dans la largeur, notre format, tu le coupes, c'est à 10 en largeur et le pliage de la carte, de la base de carte, c'est à 10,5. Du coup, ça veut dire que là, entre les deux, eh ben, on va mettre à 10,3. Allez, 10,3. Pardon. Oui, 10,3, c'est bon. Il fallait bien réfléchir à un moment donné, c'était maintenant. Voilà, 10,3. Et donc, ceci, on va le mettre en fond de carte. Et ça va nous faire un tout petit fond, vous voyez, très fin, comme ceci. Donc, on va pas le... Enfin, on va le... L'utiliser, bien sûr, on va le mettre un petit peu de côté. On va récupérer nos papiers qui se sont bien cachés là en dessous aussi. Et là, on va reprendre donc les papiers qui sont peut-être en entier au niveau de... Et qui sont dans le bon sens, surtout, au niveau de la carte. Voilà, par exemple, ben on a celui-ci, mais en même temps, il est déjà là, celui-là. Bref, tout ça pour dire qu'on peut utiliser des bandes de papier. Donc nos petites étiquettes ici, on peut aussi couper l'autre côté, mais c'est quand même dommage. Alors, on va mettre tout ça à côté, ce qui est déjà coupé. Et évidemment, tout ça, on l'utilise aussi, hein, on va pas jeter, hein, c'est évident. Et là, on est bon aussi. OK. Donc, dans nos papiers qui sont dans ce sens-là, on aurait celui-ci, par exemple, et puis son verso. Donc là, on va couper des bandes de, je sais pas, on va faire 4 cm. En théorie, il faudrait compter. Alors attendez. Dans la pratique, on va aussi compter. Donc on est à 14. 14, si on fait 4, ça fait 1, 2, 3 bandes. Alors on va faire un petit peu plus petit. 3. Ouais, on va faire 3 cm de large. Comme ça, on en aura un petit peu plus à utiliser. Ou bien 3,5 même. 3,5, allez. Parce qu'on va se dire 3,5. Alors là, du coup, je vais regarder. Ici, dans cette bande-ci, j'ai quand même pas beaucoup de couleur fruits des bois, mais j'en ai un tout petit peu, donc on va quand même l'utiliser. Mais de l'autre côté, vous voyez que j'ai aussi cette super jolie fleur, donc du coup je vais aussi faire, qu'est-ce que j'ai dit, 3,5,
Voilà, 3,5. Je vais aussi prendre un petit peu de ce côté-là. Parce que là, on en a une super belle. Voilà, et donc ça, on va pouvoir l'utiliser tout de suite. Ensuite, l'autre côté, bah, il est beau aussi, en fait. Il est génial pour ceci. Donc, on va reprendre 3,5. Hop. Voilà, ça nous fera une autre petite bande comme ceci. Et donc, quoi d'autre? Ça, c'est la même chose. Ça, c'est pas dans le bon sens. Et puis, bah, celui-là, pourquoi pas. Ça va trancher un peu et il y en a un petit peu aussi. Donc, 3,5 également dans ce sens-là. Voilà. Donc là, on a 4 bandes de 3,5. Bonsoir Lydie. Il a une magnifique collection style américain, style des Martha Bacon. Voilà, et Bacon légendaire. Bah, c'est ce dont je parlais, la moto, justement. Voilà, qui peut être très, très bien. Il y a des poinçons avec ses papiers. Oui, Isabelle. Alors, on va l'utiliser tout à l'heure. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je fais que des fonds de cartes. Vous aurez peut-être remarqué. Voilà. Parce qu'après, on va utiliser ce qui va décorer au-dessus, quoi. Alors, donc là, j'ai envie de mettre celui-là à côté parce qu'il rappelle très bien ça. Donc, je pense que ça va être très bien. Et puis, celui-là comme ça. Et puis, on va les superposer et les mettre un peu de travers. Voilà, parce que vous savez quoi? C'est de l'art. Donc, évidemment, vous pouvez aussi mettre... tout droit et tout ça. Pour ça, vous pouvez regarder le premier, la première vidéo Tu l'aimes, tu le coupes que j'avais fait. J'avais tout mis bien droit comme il faut. Mais là, on va pas faire tout droit. Parce que je me suis dit en préparant que non, tout droit, c'est un petit peu ennuyeux quand même. Voilà, donc le but, c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu de travers. Et on aura le fond qui va nous rappeler le violet, justement. Il y a des papiers, oui, c'est ça. Des poinçons, pardon. Bonsoir Christelle également. Delphine. Ah bah c'est le fameux, la fameuse blague, donc ça c'est bon, ok c'est bon, j'ai rien loupé, ouf. Alors, donc j'ai dit on colle. Alors on colle un peu artistiquement, c'est-à-dire là je vais juste mettre au milieu comme ceci. Et après, bah, le reste on peut, donc peut-être avec le plioir, on peut un petit peu le faire ressortir comme ceci, pour nous donner bien du relief. J'aurais peut-être pu le faire avant de mettre la colle d'ailleurs, c'est possible. On peut aussi. Et donc, on a dit que ça, ça ira comme ça. Et celui-là, on va le mettre comme ceci. Voilà. Comme ça. Et pareil, là, on va faire la même chose donc sur tous les autres. Structurer, déstructurer. Exactement, Suzanne. Tout à fait. Lydie, 9 tampons et 15 poinçons. Exactement. Tiens, il manque notre mascotte ce soir. Mais c'est vrai, Pascal, je l'ai vu au tout début. Et je pense qu'il doit être fatigué alors de la journée. Ou bien c'est Rachel qui le fatigue, je ne sais pas. Alors Pascal, si tu nous regardes, on a besoin d'un signe de vie de toi. Parce que tu vois, tu es notre mascotte, on a dit. Et c'est Sandra qui a dit ça. Tu es notre mascotte de live et donc du coup, on a besoin de toi pour les lives. En voilà. C'est indispensable que tu sois là. J'espère qu'il va bien et que... tout se passe bien. Mais c'est vrai que je pense que je l'ai vu au tout début dire bonjour tout le monde. D'ailleurs, quand ça n'avait pas encore commencé. Donc, je pense qu'il est là. On s'est écrit aujourd'hui, en tout cas. Donc, en principe, il allait bien jusqu'à... quelle heure j'ai vu? Je crois vers 16h, quelque chose comme ça. Il allait bien. Hop. Comme ceci. Merci, Lydie. Oui, alors en fait, je vais le montrer tout de suite. Il est juste là. Vous voyez, il y a un truc qui fait de l'ombre, là. Ben, le lot, il est juste là. Il est en dessous du reste des trucs qui fait de l'ombre. Voilà. Ben oui, c'est vrai, c'est notre mascotte puisque c'est le seul homme sur les lives. Effectivement, puisque James refuse toujours de venir. Donc, malheureusement, il ne peut pas être notre mascotte. On aimerait bien que ce soit lui la mascotte. Eh ben non, il a passé son tour. Il préfère que ce soit Pascal. Eh ben, c'est Pascal. Puis c'est tout. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et donc, notre fond de carte, on peut ensuite le coller là. Ou bien, on ne mettrait pas un petit ruban. Bah ouais, on pourrait peut-être bien mettre un ruban quand même. Ça ne ferait pas de mal, hein. Petit ruban, là, comme ça, là, non? Vous pensez quoi? Moi, je pense que ça irait très bien. Donc, avant de coller le tout, on met un petit ruban. Comme ça. Comme d'hab. Voilà. Et voilà. Le frisottis, pas trop évident dans une enveloppe. Ouais, après, c'est comme un... Tu vois, les dimensionals, bah, ça met aussi du relief, tu vois. Au final, ça passe. Évidemment, c'est pas... ça peut être aplati dans l'enveloppe, parce qu'il n'y a pas de dimensional, justement. Mais bon, ça va encore. Je pense que ça ira très bien. Alors là, je vois que mon petit Stampin' Seal, il va bientôt faire grève. Et comme la recharge, elle est là-bas, au fond, là, que je ne vais pas me lever quand même pendant le live, je vais prendre son jumeau...
le stamping seal tout court, sans le plus, pour continuer le live. Alors, est-ce qu'il est d'accord avec moi? Je vais vraiment devoir sortir, ouais. Hop là. Ça va, il était pas si loin. Non, mon super tapis silicone pour pouvoir l'amorcer. Voilà. Et voilà. Donc, il fait toujours les fils de colle. Mais ça va. Ça reste toujours plus agréable quand même que la colle liquide, d'après moi. Donc, c'est tout bon. Voilà. Alors, est-ce que j'ai loupé une blague, là, depuis tout à l'heure? Ou bien, est-ce que ça va? Et vous êtes à court d'inspiration, en fait. Sympa, ce modèle, n'est-ce pas, hein? Ça fait un petit peu, voilà, ça fait un petit peu de relief, comme ceci. Alors, je vais refaire mon petit nœud. Et puis ensuite, on va passer à la déco de toutes les cartes en même temps. Ça, c'est inédit. Faire tout en même temps, là, c'est quand même avec deux mains seulement. Ça va être compliqué, hein. Mais enfin, vous aurez compris que l'intérêt de cette méthode, tu l'aimes, tu le coupes, eh bien, c'est que faire des fonds de cartes ou bien faire la décoration d'une carte, c'est extrêmement simple et ça va très vite au final. Donc ça, on va voir où est-ce qu'on va le mettre après le nœud. Mais donc, nous en... C'est un petit peu de bazar. En voilà une. En voilà deux. En voilà trois. En voilà quatre. Et en voilà cinq. Celle-ci, on va dire qu'elle est déjà décorée. On est tout bon. On va la mettre de côté parce qu'elle est bien. Et maintenant, on va sortir la déco. Donc... C'est mes papiers, ça, vous les aurez reconnus. On est bon. Alors, pour la déco, j'ai utilisé à l'avance, j'ai préparé à l'avance, donc ce super papier que vous avez vu, qui est quelque part, qui est en rose, voilà, or métallisé rose. J'ai utilisé ces super sets de tampons. Donc, c'est avec celui-ci que j'ai tamponné tout à l'heure. Que votre amour fleurisse toujours, qui est ici. Donc, il a pas mal de mots, il y en a quatre. Et on va aussi utiliser pour agrémenter celui-ci, pour avoir d'autres mots quand même, parce que ben là, je ne vais pas faire de carte de condoléances, par exemple, donc il n'y aura pas assez de mots. Donc, on va utiliser celui-ci qui est également dans les nouveautés. Voilà, dans ce lot ici, nous avons également beaucoup, beaucoup de découpes. Et ces découpes, eh bien, figurez-vous qu'elles sont très fines. Donc déjà, on a celles qui sont un peu plus grosses, vous voyez, ici, là, ici. Elles servent à découper le pourtour des tampons qui sont proposés. Et on en a des très fines, donc celle-ci notamment, celle-là, ou bien encore des fleurs ou autres, qui nous servent à agrémenter, peut-être, par hasard, par exemple, avec du papier soit coloré, soit du papier spécialisé. Spécialité, pardon. Et en autre papier spécialité que j'utilise aujourd'hui, on aura donc celui-ci qui s'appelle Fin Chatoiement. Donc, je ne vais pas refaire encore une fois le descriptif de ce papier. On l'a déjà utilisé donc dans l'unboxing et aussi la semaine dernière. Mais donc, c'est un papier qui, vous voyez, qui a des paillettes toutes fines. Et donc, avec tout cela, pendant ma préparation, eh bien, j'ai découpé quelques petites choses. Tadam! Alors, nous avons, par exemple, ces motifs ici qui ont été colorés. Donc, c'est à chaque fois les quatre motifs là que vous voyez. 1, 2, 3, 4. Les quatre grands motifs que j'ai tout simplement tamponnés en feuillage sauvage parce que c'est la couleur du papier. Et que je me suis amusée à colorer avec l'aquapainter, avec le pinceau aquarelle. Ça va très vite, malgré tout il est quand même, ça fait déjà presque une heure et on n'a pas fini nos 5 cartes, donc je ne vais pas vous remontrer comment on fait, mais on peut tout à fait donc tamponner en verre, c'est ce que j'ai fait, et puis en faisant attention à ne pas trop baver sur le verre, on peut aussi colorer en différentes couleurs. Normalement l'aquarelle se fait avec l'encreur noire, c'est-à-dire l'encreur Memento. Mais juste pour vous dire qu'on peut aussi le faire donc sur le verre. Donc ici j'ai fait avec le noir par exemple, vous voyez ce que ça donne sur le noir, mais je trouve que ça faisait un peu trop, comment dire, un peu trop brusque, on va dire, la différence de couleur. Voilà, donc j'en ai fait deux de chaque à chaque fois. Et puis alors, attention, tenez-vous bien, vous l'avez déjà vu, je pense, mais alors, cette forme-là, elle est trop, trop belle, regardez-moi ça, c'est tout fin. C'est tout fin, tout fin. C'est magnifique. Je ne sais pas pour le montrer en entier. Ça fait vraiment très, très fin. Et également, cette fleur-là, elle est aussi très, très fine. Donc, c'est un
le fameux fleur où on souffle là, où on a parlé, je pense, déjà du nom de cette fleur, je sais plus, dans un autre live, peu importe. En tout cas, ça nous fait des résultats très très fins que j'adore. Voilà, ce qui prend le plus de temps, c'est de faire le tu l'aimes, tu le coupes. Exactement, couper ses papiers, Lydie, tout à fait. Voilà, donc ça, c'est quelques-unes des découpes. Et on a également, je crois que j'ai perdu une fleur, oui, voilà. Nous avons également, par exemple, une petite marguerite avec le centre qui a une autre couleur. On a des coquelicots. Voilà. Je ne sais pas comment vous montrer ça. Et on a cette autre marguerite-là qui a le petit bout qui va, si on arrive à le mettre convenablement, voilà, qui va ressortir. Donc celle-ci, c'est un peu comme si on a un profil, vous voyez, un profil de fleurs. Et ici, on a donc les petites, la vraie marguerite de face. Voilà, ici, des coquelicots. Donc je ne sais pas si on voit bien, mais il y a la découpe, elle gaufre en fait, elle embosse en même temps. Et du coup, on voit le centre de la fleur en même temps. Bon, là, la caméra, elle n'est pas d'accord. J'espère que sur les photos, on pourra voir un petit peu mieux, quoi. Un pissenlit, merci, tout simplement. Ta découpe préférée, ouais, clairement. Peut-on aussi utiliser les encres Memento de couleur pour remplacer le noir et faire de la colorisation aquarelle? Bah, je sais pas, j'ai que la noire. Donc, Christine, je n'ai que la noire, moi, celle-ci. Mais peut-être que oui, puisque là, comme je disais, donc moi, pour mon aquarelle ici, j'ai utilisé celle-ci, tout simplement. Donc, feuillage sauvage. La classique. Il faut juste faire attention à pas mettre trop d'eau et à pas mélanger trop, hein. Donc j'ai fait attention à pas trop toucher les contours quand j'ai fait ma déco. Voilà. Et j'ai également préparé pas mal d'étiquettes. Voilà. Donc il y en a de toutes sortes, de toutes tailles. Vous voyez, celle-ci, c'est une des nouvelles. Celle-là aussi. Voilà. Bon, juste pour dire que je me suis un peu préparée pour gagner un peu de temps. Passons maintenant donc à la déco avec tout ceci. Voilà. Oui, Christine, tout à fait. Tu pourras faire du coup des essais. Ça m'intéresse d'ailleurs si tu peux me dire après. Ça m'intéresserait bien. Alors, mon nœud ici, je vais le mettre, on va dire là. Et on va mettre, donc, puisque on a cette forme-là, je pense que cette taille-ci irait bien. Du coup, le nœud peut-être plutôt en bas, je sais pas. Non, le nœud en haut, ça sera mieux. On va faire comme ça. Après, on va mettre, puisque on a du super freesia, on va mettre ça avec le petit centre. Voilà. Et puis, bah, je pense que ce sera tout, en fait. Ce sera déjà pas mal. Et puis, le mot que l'on pourra mettre. Quel genre de mot on va mettre? Peut-être cette étiquette-là. Voilà. Qu'on va mettre comme ceci. Ah, puis tiens, ça pourrait peut-être mieux aller là. Voilà, qu'est-ce que vous en dites? Ce serait pas mal, ça peut-être. Hein, quelle finesse! Ce style fleur séchée est magnifique. Très bon point, c'est fleur séchée en fait. Ça fait un peu. Ouais, des fleurs séchées. Alors, celles-ci en tampon, elles ont l'air un peu plus vivantes que les autres. Mais effectivement, ça pourrait faire des fleurs séchées. Où sont mes 3D? Là. Voilà. Ah, Sophie dit, oui, des mementos d'autres couleurs fonctionnent pour la colorisation. Merci beaucoup, Sophie. Bah voilà, comme ça, on n'a même pas besoin de tester. C'est déjà testé pour nous. Magnifique. Alors là, je mets donc tout ce petit monde sur 3D, sur Dimensionals. Hop. Poubelle. Et on va le mettre un petit peu penché. Donc j'hésite toujours avec le nœud, à moins que le nœud, on le mette comme ça. Comme ça, c'est peut-être pas mal aussi. On va faire comme ça. Allez, hop. Faut se décider un jour, hein. Et au niveau du mot, donc on va prendre ça. Le meilleur est à venir, ça me semble très bien. Ou bien tu comptes tant pour moi. C'est beaucoup, c'est bien ça aussi. Tu comptes tant pour moi. On va mettre celui-là plutôt. Tu comptes tant pour moi, c'est beau. Où est-ce que c'est? C'est là. Ici, et on va tamponner. Petite histoire de Suzanne. Alors, attendez d'abord que je vois dans quelle encre je vais pouvoir tamponner. Je pense que je vais prendre le vert. Le vert qui vient de sortir. Alors, petite histoire. Un dentiste raccompagne son patient. La prochaine fois, mangez du mouton. Ah bon, pourquoi? Comme ça, vous aurez la laine fraîche. Pas compris. Ah, la laine, excellent. Du coup, la laine, parce qu'il est dentiste, du coup, il a senti la laine qui sort de la bouche, mais on parle de là, plus loin, laine, le lainage. C'est excellent, Suzanne. On adore, on adore. Magnifique. Voilà, donc on a bien tamponné. C'est super.
Alors, pour Amandine nous dit que pour l'aquarelle, elle utilise Versafine ou Stazon, aucun risque de bavure, en effet. Donc, si on a plusieurs couleurs de Versafine ou de Stazon, pas de problème. C'est juste que là, je voulais pas utiliser le noir et je n'ai que le noir. Donc, comme ça, c'est bon aussi à savoir, on peut utiliser ça. Véronique, bonsoir, tu vois, regardez le reste en replay. Très bien, pas de souci. Bonne soirée à toi. Voilà, donc du coup, on avait ceci qui est déjà... Ah, si on pourrait même mettre comme ça, c'est pas mal aussi. On va le mettre comme ceci, je pense. Voilà, un côté là, un côté là. Et puis notre jolie petite fleur. Peut-être comme ça, ça fera déjà un peu bling bling. Ou bien après, est-ce qu'on ne mettrait pas là plutôt la petite fleur. Et puis là-bas, on mettra les bling bling. Allez hop, on fait comme ça. Les 3D, ils sont là. On va en mettre un là. Et le reste, ce sera collé sur la... Pardon pour le bruit. Sur la petite fleur qui est déjà en 3D. Donc on a dit on met comme ça, faut quand même qu'on voit ma superbe colorisation, hein. Faut pas cacher toute la fleur non plus. Voilà, et puis donc on a dit ça, on va mettre avec celui-ci, comme ça. Voili voilou, et puis le centre. Voilà. Comme ça, c'est pas mal hein. Oh, c'est trop beau. Moi, je suis contente, c'est trop beau. On va mettre les bling bling après, si ça vous dérange pas. On va continuer donc avec le reste de la décoration. Donc ici, nous avons dans ce sens-ci. Alors, initialement, je voulais mettre ça et ça ne jure pas, voilà. Je me suis dit peut-être que ça va jurer avec le or doré, mais non, pas du tout. Donc, on va mettre ça. Oh, c'est trop beau, ça vous plaît visiblement, c'est super. Pour l'étiquette, il faut que je commence déjà à réfléchir aussi. On a ici un rectangle qui est un petit peu long, donc ça pourrait aller très bien. Et pourquoi pas mettre la branche un peu, vous voyez, à cheval, comme ça. Ça pourrait être une idée, donc du coup, est-ce qu'on ne mettrait pas là, de ce côté-là. Ou bien on coupe ça, comme ça, c'est pas mal aussi quand même. Ça va aussi, c'est aussi très joli. En fait, la branche là est juste magnifique. Du coup, c'est compliqué de se décider. Ouais, on va faire ça. Du coup, non, faut d'abord tamponner. Tamponnerai chérie. Alors, on va prendre un mot qui est un petit peu plus long. Donc, soit merci pour votre gentillesse. Tu es une personne absolument magique. Oh, ça c'est beau. Hop, voilà. Il faut donner ça à une personne magique. Ah, c'est déjà magnifique, mais je contrôlerai la fin en replay. D'accord, ça marche. Image en scrap, j'ai aussi oublié ton prénom. C'est compliqué quand il y a des pseudos. Et puis après, moi, j'oublie les noms. Je suis désolée. Mais d'accord, pas de problème. Tu contrôleras tout ça en replay. Contrôleuse des travaux finis. Alors, plein d'émojis pour Anna, qui visiblement aime bien. Personne absolument magique. On va le mettre comme ça. Yes, c'est au revoir. Tout va bien. On va hop, mettre tout cela, nettoyer tout cela. Et donc, je disais, on ferme les encreurs, sinon on met les mains dedans. Regardez les replays de Rachel. Ah, attends, j'ai pas vu. J'ai le papier maintenant qu'on voit ces superbes cartes, pardon. Je vais être obligée d'acheter le lot et les découpes sont waouh. Ben oui, c'est ça. Hein. Ah, que faut-il faire quand on a le cafard, Suzanne? Sandra, elle dit, regardez les replays de Rachel. Ouais, bonne idée, hein, pourquoi pas. Que faire quand on a le cafard? Prendre un insecticide? Je sais pas. Parce que bon, les cafards, on n'aime pas trop trop quand même. Hein. Quand on a le cafard. Demandez à Choupette de chasser les cafards. C'est aussi un bon point, ça. Ça serait presque possible. Hop, on va mettre ça comme ça. Voilà. Je kiffe cette carte Rachel. Ah, je note Jess. Si, peut-être, hein, peut-être qu'elle va se retrouver dans ta boîte aux lettres. Hein, après tout, pourquoi pas. Hop, on va mettre nos petits 3D. Donc vous avez noté que j'en ai mis un sur la, sur la fleur. Comme ça, ça tient. Vous voyez, il y a la colle en dessous, le stamping seal, mais en plus ceci. Donc c'est pas mal. Hop. Et puis on va coller. J'aurais pu mettre d'autres fleurs aussi, mais je trouve que c'est déjà pas mal comme ça en fait. Voilà, on n'est pas obligé d'utiliser tout ce que j'ai découpé, hein, en fin de compte. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal du tout. Hein. Oh, j'adore, moi je suis amoureuse. Oh là là! J'ai pas collé droit par contre. Bon, tant pis. Pas collé droit. Ça, c'est spécialité Rachel, de pas coller droit. Surtout ne colle pas droit parce qu'on sait jamais, hein, ça pourrait être bien. Oh, vraiment.
Alors là, on va mettre cette étiquette-ci. Le nœud, je le mettrais bien là. Je sais pas, comme une idée. Après, on va mettre quoi comme déco pour celle-là? Donc on a du jaune. C'est pas tout à fait le même. Donc du coup, j'aime pas. Ah, mais par contre, on a celui-là. Celui-là, ça serait bien. Je pense. Parce que ça rappelle bien du coup le bleu là. Le sein stellaire, pardon. Utilisons les mots qui y vont. Sinon, hein, on va pas s'y retrouver. Après, c'est pas le même violet. On va prendre celui-là, peut-être pour rehausser un petit peu, pour faire un peu de bling. Voilà, un tout petit peu comme ça. Sauf que on voit pas bien, je trouve, la feuille là. Oh, c'est difficile. Alors, Suzanne, prendre un insecticide, c'est bon. Mais regarder les replays de Rachel, c'est encore mieux. Je transmettrai à Carambar. Ça marche, pas de problème. Toi aussi, t'es amoureuse de Jess. Ah, c'est bien ça. Je suis quelqu'un de magique, c'est mon surnom. C'est Gigi comme le dessin animé Gigi la magie, c'est vrai. Donc tu veux dire que c'est pour toi, Christine, cette carte. C'est ça que tu es en train de dire. Alors quand on a un fond qui est un petit peu trop marqué, donc comme ici, j'ai envie de faire ressortir la fleur. Et comme vous voyez, je trouve qu'elle ne ressort pas assez. Pour ça, on a la magie du calque. Alors c'est le papier velin. Je regarde si j'ai un papier qui est déjà coupé. Non. Et on va couper un petit morceau. Donc j'ai pas vraiment de mesure en tête. On va faire, je sais pas, 6 par exemple. 6 sur 8. Allez. Histoire de dire qu'on a une mesure. 6 sur 8 cm, c'est un petit peu au pif. On va voir ce que ça donne. Mais je pense que ce sera suffisant pour mettre tout ce petit monde là dessus. Voilà. Et comme ça, vous voyez que directement. Et eh bien la fleur, elle ressort déjà beaucoup plus. Alors du coup, est-ce qu'on ne mettrait pas dans l'autre sens? Comme ceci, par exemple. Voilà, ça me semble très bien. Et vous voyez que ça nous fait tout de suite un relief supplémentaire pour que cette fleur-là ressorte un peu mieux que si elle était que sur le papier. Du coup, ben, je peux la coller. Hop. On va mettre ça directement dessus. Pour celle-ci, ben, on va être obligé de mettre de la colle. Liquide parce que là je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative, c'est très fin. Enfin si, l'autre alternative ça aurait été d'utiliser avant de couper, quand on y pense c'est quand même mieux, le papier adhésif double face qui est formidable. Seul problème c'est qu'il faut penser à l'utiliser. Merci, reçu pour l'astuce du... Ah merci pour l'astuce du vélin, ouais l'astuce du vélin je pense que c'est vraiment super. Ça fait les 4 saisons, oh c'est joli mais oui c'est vrai en plus. J'aime bien car cela atténue un peu le bleu. Effectivement, c'est beaucoup mieux que le calque. On est bien d'accord, Claudia, également. Voilà, donc là, je vais mettre sur Dimensional, mais d'abord, je vais mettre mon petit mot. Et pour celui-là, tiens, je vais mettre le meilleur est à venir. Voilà. Le meilleur est à venir, il est là. Et je vais utiliser la couleur qui est ici, qui est donc Scène Stellaire. Comme quoi, c'est pratique d'avoir sorti, vous voyez, toutes les encres. Qui vont avec le papier. Quand on est dans un processus créatif, je trouve très bien, moi, d'avoir juste les couleurs qui sont assorties. Comme ça, on est sûr de pas se tromper. Ouais, c'est pas droit. C'est pas grave non plus. C'est pas droit, mais c'est pas grave. C'est de l'art. On est d'accord? Pour faire briller Rachel comme avec les bling bling, mettez votre like. Oh, merci Sophie. Alors oui, si vous avez envie, vous n'êtes pas obligé, mais si vous avez envie, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir, les pouces en l'air. Voilà, donc là, je vais mettre ceci directement. C'est sec. Oui, c'est sec. Donc, je ne vais pas mettre ça en 3D. Je vais mettre tout l'ensemble qui est avec le vélin. Je suis pas obligée de rester là-dessus. Je vais mettre tout cet ensemble-là en... sur Dimensional. Voilà. Comme ça, on aura encore plus la profondeur avec le... Où sont les Dimensional? Ils sont là. La profondeur avec le papier qui est papier design. Voilà. Quand on trouve ces mots, c'est un petit peu mieux quand même. Voilà. Hop. On en met suffisamment pour que le facteur n'écrase pas tout. Et puis du coup, ça protégera peut-être un petit peu justement le relief qu'on vient de mettre. Et là, je vais en mettre un petit. Même si je râle toujours parce qu'ils sont trop petits, mais pour ça, c'est quand même pratique. Petit, juste là. Pour que le haut aussi, il puisse tenir. Et donc, on met ça convenablement. Ça veut dire droit. Convenablement veut dire droit. Voilà!
Alors, Christine, pour que le mot soit droit, on met l'étiquette de travers. Bah ouais, mais j'ai peur que l'étiquette, ça se voit du coup quand c'est pas droit. Donc voilà ce que ça donne. Alors avec le calque, en effet, je trouve que ça fait quand même beaucoup mieux d'avoir le... C'est rehaussé un petit peu. C'est le bleu nuit ou le bleu incolore? Oui, c'est le bleu incolore. C'est le bleu Seine Stellaire, Amandine. Voilà, c'est ça. Carmen, c'est trop joli avec le velin. J'adore le velin. J'en suis à 4 cartes. Donc tu es en train de faire avec moi, c'est super. Mais je vais devoir attendre pour les finir d'acheter le lot, oui. Alors plus que quelques jours, je ne sais pas combien de temps ça fait. Plus que quelques jours jusqu'au 5 janvier. Ça doit faire 2 semaines, je ne sais pas, 3 semaines. Je ne sais pas compter, même en date, ça ne marche pas. Voilà, et Lydie, c'est fait. Ah, merci. Dommage qu'on ne peut pas mettre de cœur. Oh, c'est gentil. Mais tu en as mis plein, du coup, c'est très bien. Isabelle, non, pardon, Suzanne, pourquoi mettons une selle sur un cheval? Car le cheval ne supporterait pas le poivre. Ah, le sel et le poivre, c'est ça? C'est excellent. Ça pourrait vraiment être ça. Pas mal, mais non, c'est pas ça, ok? Pour ne pas avoir mal aux fesses, pourquoi est-ce qu'on met une selle sur un cheval, donc? Oh, tu nous en poses, hein, des cols, hein, franchement, c'est compliqué, hein. C'est pas facile, facile, là. Alors, ce que je voulais également vous montrer, c'est qu'on peut couper ça et que ça fait quand même joli. Alors, voyez cette grande forme-là? Eh ben, on peut aussi l'utiliser en version petit. Attention, sacrilège, je vais couper parce que Rachel, quand elle aime, elle coupe. Et donc, on va couper gentiment, comme ceci. Donc, ça nous fait, vous voyez, une forme là tout à fait utilisable aussi toute seule. Par exemple, hein, ici, comme ça. Et puis, l'autre côté, on peut aussi l'utiliser. La seule chose, c'est que vous voyez le petit bout là, hein, ben, il faut un petit peu l'atténuer. Donc, pour ça, on va juste suivre le sens de la feuille. Et puis, ben, on est bon. Donc, de une découpe, on en a deux. C'est très bien, moi je pense. Voilà, moi je pense que c'est très bien. Ok, donc ici, on voulait mettre aussi ce petit truc-là, ça fait un peu des feuillages, donc ça peut aussi donner du relief comme cela, par exemple. Du relief et du bling-bling à droite et à gauche, parce que bon, voilà. Comme ça, par exemple. Et puis on pourrait mettre notre mot là. Et donc tout ça, eh ben, on va le mettre en relief. Ça vous dit? On fait ça? Ok. Aïe, 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 j'ai loupé plein de trucs. Non, c'est bon. Suzanne, c'est que j'en mange des carambars. Suzanne, elle est tout le temps en train de manger. Je crois que mes lives, elle les utilise juste pour manger ses carambars. C'est ça, en fait, hein? Vas-y, dis-le. Hop, donc là, je vais mettre, hop là, le super adhésif qui s'est collé sur le sous-main. Bon, c'est pas grave, j'enlèverai après. Comme ceci, comme ça, je vais pouvoir coller mon petit monde là. J'espère que ma tête n'est pas trop devant la caméra, en fait. Je réalise. Un petit peu tard, mais tant pis. Hop. Puis là, on va mélanger un petit peu. On va mettre un peu dessus, un peu dessous. Comme ça. Et puis là, il n'y a plus de colle, c'est ça? Celui-là, il n'y a plus de colle pour celui-là. Mais ici, il y a de la colle. Voilà. Alors, ça ressort bien. Oui, on est d'accord. Si on la met en dessous du cheval, elle tombe. Attendez, c'est quoi? Ça, c'est l'histoire de la selle. Alors, la selle du cheval. Parce que si on met en dessous, elle tombe. Ah! Pourquoi on met sur le cheval? Bah oui, en dessous, ça va pas. Hein? Excellent. Donc, Christine qui a trouvé quand même, bravo. Et ouais, bah moi, j'aurais pas pensé du tout, mais alors pas une seconde. Que si on met la selle sous le cheval, effectivement, le cheval, ça, enfin, la selle, elle risque de tomber. Bravo, fallait vraiment y penser à nouveau. J'aurais pu mettre de la colle avant, mais je vais en mettre là en fait. Parce que j'ai juste peur que. Donc on essaye de faire trans. Enfin, la colle, elle va transpercer. Trans. À travers. Elle va à travers toutes les couches ici. Parce qu'il y a trois épaisseurs de découpe. Voilà, il y a trois découpes. Et là, j'en ai encore mis sur tout ça, mon brouillon. Ok, là. Attention Suzanne, attention au dentiste. Ah, c'était quoi? Attention au dentiste. Parce qu'elle sort du dentiste, c'est ça, Suzanne? Ça pourrait bien être ça en plus. Parce qu'elle sort du dentiste, du coup, faut pas trop rire. C'était la semaine dernière, ça. Tatatin, ouais, donc ça c'est bon. Ah non, tu manges beaucoup de carambars. Oui, voilà, tu manges des carambars. Attention au dentiste. En effet, c'est pas trop bon pour les dents, ça, c'est clair et net. Les carambars. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça avant de mettre mon mot? Bon, on va essayer quand même, ça devrait fonctionner. Hop, donc une petite déco. Juste par là, vous voyez, c'est pas trop mal, ça fait le lien entre les deux. Et puis là, on va mettre notre mot. En quelle couleur?
Même, je pense qu'on va mettre du. Comment ça s'appelle? Fruits des bois. Parce qu'il y a un petit peu de fruits des bois, il y a du vert qui est quand même très présent et le Seine Stellaire il est très présent aussi. Donc pour changer et pour faire le rappel de celui-là, je vais mettre ce petit-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Merci beaucoup, c'est toujours très bien. Merci beaucoup. Voilà, ce sera merci beaucoup pour cette carte-ci. Non, parce qu'elle mange trop de carambar. Oui, c'est ça. Non, mais désolée, c'est parce que j'étais un petit peu en retard là dans mon cerveau, il n'a pas réagi comme il fallait, quoi. Alors, notre petit, merci beaucoup, il a l'encre, c'est bon. Et on va le mettre comme il faut, c'est-à-dire droit. Attention. C'est droit! Tadam! Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça grandit hein, quand même. Hein. Alors, le nœud, du coup, il pourrait aller un petit peu plus haut. Voilà, comme ça, il va aller avec le groupe de la déco. Et puis, on est bon. Voilà, et puis, bah, il me reste encore plein de déco que j'avais donc préparé et découpé et que je vais réutiliser sur autre chose, évidemment. Parce que maintenant, bah, c'est l'heure des bling-bling. C'est l'heure des bling-bling et après, c'est l'heure de bonne nuit, tout le monde. Voilà. Alors, on ressort nos cartes. On va pousser un petit peu, faire du rangement là. Donc, celle-ci, on a dit, elle est finie, elle a déjà tout. Les bling-bling, tout. Et ensuite, il nous reste tout ça à mettre en bling-bling. Alors, on va commencer par celle-ci parce que c'est le plus facile. On a donc ces super gemmes autocollantes opaques et qui ont la couleur freesia ici. Donc évidemment, ça va, c'est je pense ce qui va le mieux pour aller sur cette carte-ci, le freesia. Donc on va mettre un là, au pif, et puis un autre, je mettrai bien sur l'étiquette. Voilà, juste là. Comme ça, il ressort bien. Et donc là, il faut évidemment jouer un petit peu pour les voir. Avec la lumière, ça se voit très bien. Et de une, c'est bon? Avec les toutes petites chutes du début, je fais un tressage en coin. Ça fait pas mal. Ah ouais, bonne idée. Très bonne idée, Suzanne. Bravo, Diana. Sandra aussi, tu aimes beaucoup. Corinne également. Je les aime toutes. Mais la numéro 2, c'est ma préférée. Alors, ça doit être celle-ci. Hein. C'est ça, la numéro 2, ça devait être celle-ci. Je sais plus. Alors, celle-ci. On va prendre, je pense, du blanc. Moi, j'aimerais bien mettre des bling-bling là-dessus, en fait. Je pense que ça peut être très bien. Donc, on va prendre les mêmes encore, mais en blanc. Ou bien les perles. Ah, les perles, elles sont jolies. Et puis, elles me font de l'œil, là, quand même. Je pense qu'on va prendre les perles, moi. Hein. Ça a l'air très bien, les perles. Donc, à nouveau, nos perles irisées. Hop. Et on va en mettre juste là. Les deux, ici. Ça va suffire. Parce que sur en haut, je pense que ça va pas trop bien ressortir. Tandis que là, sur le bas, ça ressort. Oui, c'est exactement celle-ci. Ouais, je pense que celle-ci, elle est très bien. Très jolie, tu m'as convertie à ce nouveau papier, Stéphanie. Ah, c'est bien, ça me fait plaisir. Parce que Stéphanie, quand je lui ai donné le nouveau catalogue, elle m'a dit, oh bof. Je dis, attends, tu vas voir, il est trop bien, trop beau, tu pourras pas résister, impossible. Alors, au lieu de raconter des bêtises, Rachel, tu prends tes bling-bling qu'il faut, là. C'est-à-dire les métallisés, si je les retrouve. Oh, bah alors ils sont où? Voilà, ils sont ici. Parce que du coup, l'or rose, vous voyez, dans cela là, qui s'appelle métal brossé, eh ben, l'or rose, il va parfaitement avec. Non, vous voyez pas. Attendez, on va le mettre sur la carte et vous allez voir. Ça va très très bien. Alors, pour la personne absolument magique, on va les mettre là ou bien là? On va les mettre là. On va mettre un là, un juste là ou bien juste là en dessous. Oh là là, le casse-tête, je vous raconte même pas, quoi. On va le mettre là, comme ça on va se rappeler que. On va voir que ça rappelle le papier. Et puis l'autre, on va le mettre là. Voilà. Alors regardez, ça fait vraiment. Ok, la caméra n'est pas d'accord. Mais c'est exactement la même couleur. J'espère que sur les photos, ça va se voir. Elle est trop belle, moi aussi la mauve. Ah, c'est bien ça, celle qui vous plaît. Carmen, c'est joli, je vais répéter à n'en plus finir. Que c'est joli. Oh, merci Carmen. Donc ça aussi, ça fait donc 4 cartes. Et puis la dernière. Le meilleur est à venir. Alors, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a comme bling-bling qui pourrait aller? Comme on disait, hein, c'est un processus créatif. Ça veut dire que bah, on n'a pas forcément tout qui est prêt. Est-ce que ça, ce serait pas du Seine Stellaire? Ça, je pense que ça ressemble un peu. Alors, ce n'est pas du Seine Stellaire. Je pense que c'est du bleu nuit. Mais à mon avis, ça va quand même. Hein. Vous voyez, ça fait quasi exactement. Donc comme ça, on pourra prendre. Ça va rappeler, pardon, comme ça va rappeler le Seine Stellaire qui est juste là. Je pense que vous êtes d'accord?
Je ne vous ai pas demandé d'abord, c'est parce qu'en fait il est tard et je me dis, de toute façon elles en ont marre maintenant de tous mes blabla. Allez, décide là, tu mets là, voilà. Et puis un autre là-haut quand même pour dire quand même, il faut rappeler là-haut. Voilà. Et voilà. Attendez, je change un petit peu le bazar que puisse voir quand même les choses comme il faut. Voilà. Et voilà nos quatre, attendons, cinq cartes avec du tu l'aimes, tu le coupes. Voilà. Donc vous avez pu remarquer que la base, elle est réalisée assez vite. Hein. La déco, après, j'ai mis des petits trucs. Mais rien n'empêche de faire que du comme ça, c'est-à-dire d'avoir une entière, c'est-à-dire un tu l'aimes, tu le coupes entier, et puis de mettre soit une étiquette, si on avait un motif comme ça. Hein. Il suffit de mettre une étiquette en plein milieu, un ruban, et hop, la déco, elle est faite. Bref, le tu l'aimes, tu le coupes, c'est la vie. Utilisons notre papier design parce que ça fait vraiment, quand on le coupe en tout cas, ça nous permet d'avoir des résultats à chaque fois différents, très classe parce que le papier design, ben, il est très joli. Et puis surtout, ben, ça nous fait utiliser notre beau papier. Il faut qu'on utilise notre beau papier. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. Ah, les dernières sont magnifiques, dit Jess, donc ça te plaît aussi. Odile, tu adores la mauve également. Donc tout le monde aime bien la mauve, c'est la grande star, ça doit être celle-ci. La grande star de notre live du jour, c'est celle-ci. Très jolie, bravo, toute superbe, magnifique, c'est bien, ça vous fait plaisir. Technique très efficace pour les cartes de vœux, par exemple. Voilà. Quand on a beaucoup de cartes à faire. Ah, et Anna, elle dit, elles sont toutes belles, un peu différentes, avec les bling-bling, ça change, effectivement. Quand on a beaucoup de cartes à faire, le tu l'aimes, tu le coupes, c'est idéal. Voilà, ça permet d'aller vite et d'avoir un résultat qui est toujours très très beau. Ou alors, quand on ne sait pas quoi faire, donc quand on a un petit doute, je ne sais pas trop quoi faire, j'ai besoin d'une carte, je ne sais pas, de remerciement, et on ne sait pas trop par où commencer, eh bien faites du tu l'aimes, tu le coupes. Parce que ça nous facilite la vie. Une fois qu'on a notre fond qui est fait, eh ben, on arrive à utiliser le reste très facilement. Voilà, Sophie aussi ça te plaît. Ah, Odile, elle aurait voulu voir avec la couronne de fleurs. Alors la couronne en entier, c'est ça. Donc je pense que tu parles de cette découpe-ci. Donc là, cette découpe-ci, mais en entier. Ah non, 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 tu parles effectivement. Je ne l'ai pas utilisée. Oh, mais ça c'est la loose, mince. J'aurais dû l'utiliser, effectivement. C'était tout au fond de mon paquet. Avec celle-ci, je pense. Eh bien, rendez-vous très bientôt sur mon blog et sur tous les réseaux sociaux. Je vais publier une carte avec cette carte-ci parce qu'effectivement, il faut l'utiliser. Tu as raison, Odile. Je suis désolée, j'aurais dû l'utiliser. Très belle, donc ça vous plaît. Super. Juste un petit mot avant qu'on se quitte. Vous aurez peut-être vu sur les différents réseaux, j'organise un Scrap en Teams. Le prochain Scrap en Teams sera le 15 janvier. C'est un dimanche matin, comme d'habitude, à 10h30. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au Scrap en Teams parce que ça nous fait toujours plaisir. Je pense que c'est une bonne façon d'échanger, de se voir et puis de passer un bon moment créatif ensemble. Tous les détails sont donc dans le lien qui est sous la vidéo. Pour le Scrap en Teams, il faut juste vous inscrire pour que je vous envoie le lien du Teams. Parce que je ne vais pas le mettre comme ça sur Internet. Évidemment, ce serait pas très sécurisé quand même. Et ce serait la porte ouverte à avoir n'importe qui sur notre Teams. Donc voilà, il faut juste s'inscrire et puis voilà, on passe un bon moment ensemble. Alors, ben, je vois que ça vous plaît. Bonne soirée à vous également. Ah, tu viens d'arriver, Christelle, du travail. Donc voilà, il va falloir voir le replay. Comme quoi, j'ai bien fait de faire plus long, tu vois. Tu reviens du travail, tu nous vois un petit peu. Donc un petit coucou. J'ai pris la frise du milieu en verticale, c'est très joli à ça, j'imagine bien. Bonne fin de soirée à tout le monde, tu nous as gâtés. Mais oui, vous avez vu, ça, 5 cartes en un live. Voilà, donc allez-y à votre papier, coupez. Si vous aimez votre papier, après c'est à vous de voir. Si vous aimez votre papier, coupez-le. Voilà, bonne nuit, bonne soirée, bonne semaine. Et puis on se voit la semaine prochaine. Je ne sais plus quel est le projet, c'est écrit dans mon agenda, mais je n'ai pas regardé avant le live. Du coup, bah, revenez tout simplement. Et puis bah, c'est tout. Bonne semaine, à la semaine prochaine. Bye bye.